I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Hey, comment ça va tout le monde? J'espère que vous vous portez bien à la maison. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, saison 5. Je suis Johnny D et je suis avec mon co-animateur Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien. Depuis une couple de jours, j'ai retrouvé la voix. La voix? La voix du Sud? La voix du Sud, mais on a crié fort la semaine dernière au centre du Dôme. Oui, en fait, le 27 février dernier, au Centre Vidéotron de Québec, avait lieu l'événement de Pantera, qui faisait un retour depuis... C'était 94, me semble, la dernière... Enfance, on avait 10 ans à l'époque, et puis... c'était un... Un petit peu moins de barbe. Ouais, c'est sûr. C'était un peu différent de l'époque aussi. D'un, les gars ont vieilli, mais aussi, c'était plus comme un ban hommage. Il manquait Vinnie Paul puis Dumbback Darrell. Ouais, c'est ça. Parce qu'en 1994, ils étaient là. Ça. Yes, malheureusement, ils nous ont quittés beaucoup trop jeunes. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, on a eu de la puissance sonore incroyable. On a commencé la soirée avec un groupe de Détroit qui s'appelle Snafu. Ça brassait pas mal. Comment t'as trouvé ça? Ah, disons que pour. C'était ce qu'il fallait mettre avant Lamb of God et Pantera pour bien réchauffer comme il faut la foule. Yes, puis toi, tu connaissais moins un peu Lamb of God. Hein? Ouais, après, aller découvrir ça. Aussi que ça, là. Mais ouais. On ne voit pas chanter une toune, on ne la connaît pas. Yes. Mais c'était bon, là, franchement. Ouais, ça brosse en tabarnak, là, pour vrai. Chanteur qui crache chanteur. Ah, sans arrêt. Non, c'était vraiment bon, honnêtement. Puis ensuite de ça, Lamb of God a mis la table aux gens de Québec, là. Il y avait au moins 10 000 personnes faciles au centre Vidéotron. C'était plein. C'était pas sold out, mais tout comme. Il accueille quoi, 16 500 à peu près au centre Vidéotron? Ah, ça brossait, ça méchantait. Puis, ils ont ouvert de façon incroyable avec un espèce de gros drapeau. Pantera, là, puis là, ça brassait pas mal là, du côté. Et puis, Phil Anselmo avec son équipe était déchaînés, ils ont même parlé en français à quelques reprises. Ils ne pensaient pas que les gens de Québec étaient aussi, comment pourrais-je dire, autant allumés, autant réceptifs à la musique, tu sais, de ce band-là. On entend souvent des artistes, soit, peu importe que ce soit Madonna, Céline Dion, peu importe. Là. Ils disent toujours que ce soit genre à Québec ou à Montréal, c'est le meilleur public. Ben Metallica, justement. Ben oui, c'est pas pour rien que Metallica avait fermé le Colisée, Pepsi, puis avait ouvert le lendemain. C'est au mois d'octobre, ça, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Ouais, ben c'est en 2015, ça. Ouais. C'est ça. Puis ils ont même fait un DVD que j'ai justement ici, là, Magnétique, là, Québec Magnétique. Un excellent DVD à vous procurer d'ailleurs, si vous voulez avoir vraiment. Moi, je l'avais acheté en Blu-ray, puis honnêtement, c'est de la bombe, là. Toi, qu'est-ce que tu as aimé du spectacle de Pantera? Ben, je peux te dire ce que j'ai moins aimé, mais ça n'a rien à voir avec le spectacle, c'est que j'avais oublié qu'ils ne prenaient pas l'argent liquide si tu voulais prendre une bière. Fait que tu payes avec ta carte, ça. Alors, d'ailleurs, je suis en douille une bière. Non, c'est correct. Sinon. Ben, ce que j'ai aimé, tu veux savoir, là, ils ont joué les tunes que je voulais qu'ils jouent, ça, c'est bien ça. Comme? Ben là, Mouth for War, Cowboys from Hell, Walk, puis Fucking Hostile. Ouais, c'était ça à coche, honnêtement, là. Vous pourrez aussi aller visiter notre page YouTube. On a mis quelques vidéos extraits de l'événement. Et puis, vous allez pouvoir voir là, certaines des chansons que Benoît vient de mentionner. Donc, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram et surtout sur YouTube.
Donc, vous pouvez voir nos récents podcasts sur YouTube, chers amis. Puis, tu sais, tu disais, je sais pas si tu me niaisais, mais t'as l'air de dire qu'à la fin de la soirée, je parlais comme la poudre. Ah, écoute, t'avais crié pas mal. Hein. J'ai pas vu encore ton contenu sur son téléphone cellulaire, mais j'en regardais de temps en temps en chantant, là, puis le téléphone, il faisait... ça brossait ben en titi, là. On était avec la gang des médias, là, puis tout le monde avait l'air à triper ben raide, ah, là. Yes. Surtout Walk, là, tu sais, au petit camp qu'ils disent dans le journal, Walk, là, même si tu connais pas Pantera, tu connais cette tune-là. Ouais, c'est ça, là. Elle a bien vieilli, comme on dit. Comme c'est... je t'avais dit, tu sais, ils jouent pas Walk dans un show, c'est comme si tu te fais un grilled cheese sans fromage. Ben, c'est comme Kiss qui joue pas genre Rock and Roll All Night. Là, c'est, ça. C'est ça, tu sais. C'est comme un pogo sans chapelure. Non, non, c'est ça. Un pogo sans chapelure. C'est une saucisse. Tu veux-tu le couper au montage, non? Non, ça rentre trop. C'est supposé être familial, notre émission. Non, c'est correct. Quoi, Pantera, c'est pas trop familial? Non, ouais, ça brassait, là. Puis, tu sais, c'était comme As You Going, Motherfucker. Puis tout ça, hein, c'était assez intense, là. Je t'ai dit dans le courant de la soirée, je peux pas croire qu'Anselmo, c'est sa vraie voix. Il y a l'air d'un gars qui a tiré ses parents, Chris, avant d'aller voler dans une pharmacie, là. Quand il parle. En parlant de tirer, tu veux-tu en parler un peu de. Juste rapidement, tu sais, du début de l'histoire de Pantera jusqu'à un peu à aujourd'hui, mais tu sais, rapidement. Ben, le début de l'histoire, ben, quand tu dis tirer, ouais, c'est ça. Ben, regarde, c'est dans Back the Roll, qui à un moment donné, c'était séparé en 2003, là, dans ce coin-là. Il était dans Damage Plan. Ouais. Là, il y a un forcené, un gars qui manquait des votes, qui était trop sur le PCP ou sur la poudre, je sais pas. Il avait trop mangé de pogo. il a gonné, pas Phil Anselmo, mais dans Back Darrow, puis malheureusement, il est mort. C'est arrivé à Columbus, Ohio. Yes. L'assassin a été immédiatement maîtrisé. Il était mort, il était abattu. Yes. Vous êtes un niaise pas avec ça? Non, on niaise pas avec ça. Puis d'ailleurs, tu parles que Vinnie Paul est décédé, ouais. Tu parles que Dimebag Darrell est décédé. Moi, j'ai eu l'occasion de voir El Yeh à l'Impérial de Québec il y a plusieurs années. Puis El Yeh, c'était une formation de plusieurs membres. Je me souviens pas d'où est-ce qu'ils viennent. Je pense qu'il y avait des gars de Damage Plan. Je suis pas certain, là. Mais le drummer, c'était Vinnie Paul. Parce que Vinnie Paul a fait partie de Damage Plan, il me semble. Il avait été rejoint de son frère. Ou c'est Dimebag qui avait été l'argent. En tout cas, les deux frères Abbott là-dedans, ouais, c'est ça. De mémoire. Puis moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé lors de l'événement de Québec, il y a eu une partie où c'était un hommage. Ouais. Où est-ce que, tu sais, il y avait une belle balade. Puis genre, ils mettaient des images du passé, puis tout ça, ça l'a beaucoup touché les gens. Comme Back Darrell qui crache du feu. Ouais, ça rentre. Ouais, mais c'était ouais. Des... Ah, il était sur le portail, là. Ah, ben, c'était un peu comme Motley Crue, là, tu sais, ça brassait, là, tu sais, à cette époque-là, la drogue était pas chère, là. La drogue était pas chère. C'est ça. Mais alors, crème, l'affaire que je me demande, des groupes de même, est-ce que ça coûte plus cher pour faire un spectacle ou ça coûte plus cher de dope? C'est ça l'affaire. Ben aujourd'hui, je pense que les gars étaient quand même à jeun là, à Québec. Là. Ouais, c'est ça. Ils s'est peut-être fait une petite ligne et un petit shot de fort avant, mais ça, regarde. Ouais, c'est ça. C'est parti de la gueule. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas comme à l'époque. Là. Même, tu sais, on parlait de Metallica juste avant, mais ça arrivait souvent. Puis je pense que ça arrive encore aujourd'hui, mais tu sais, vous me corrigerez ou vous le marquerez dans les commentaires. Mais je sais que le chanteur de Metallica, James Hetfield, avait des problèmes de bouteille, puis il exigeait. Pendant une période de la vie de Metallica, où est-ce que dans les amphithéâtres, les gens n'avaient pas le droit de consommer d'alcool? Il y avait, tu sais, tu ne peux pas t'acheter une bière. Ouais, parce que lui, c'est psychologique. Si vous voyez quelqu'un avec une bière, ça va le pousser. Exact, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça devait l'aider. Fait que c'est pas mal ça, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite émission, courte émission d'une dizaine de minutes. Mais tu ne voulais pas parler des gens qui sont décédés? Ah, ben vas-y, mon ami, vas-y, juste avant qu'on termine. Ouais, ben là, la semaine dernière, on a perdu les lutteurs Ole Anderson et Virgil. Virgil, yes. Ole Anderson, un des fondateurs des Four Horsemen, avec Ric Flair, Ole Anderson, Tully Blanchard. C'est vrai, tu voulais en parler, puis on a. C'est pas grave. On a Paulude aussi qui est décédé récemment. Là. Ben Virgil, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était le garde du corps à tête du BSC, puis il faisait Vincent dans NWO. Oui. Pauloud, ouais, comme tu Pauloud dis. Était Fern dans les Boys. Ah oui. Le fameux Fern, le grand acteur animateur de radio et encyclopédie
humaine, comme on pourrait dire. Tu sais, il y avait un Grand Prix en fin de semaine, puis ça n'a pas empêché son frère d'animer le Grand Prix, parce qu'il sait qu'il aurait voulu que son frère il l'anime. Là. Oui, c'est ce qu'il disait. Tout à fait. Puis Pierre Hout, son frère. Oui, c'est ça, l'annonceur. A eu l'invitation de Guillaume Lepage pour Tout le monde en parle, puis il s'est présenté dimanche. Ouais, mais je n'ai entendu parler, j'ai pas écouté, mais j'ai entendu parler. C'est ça. Ça devait être. Fait que ça devait être assez. Une semaine off pour ce gars-là. Ouais, 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 tout à fait. Ça a dû être rempli d'émotions, là, du côté artistique. Et ben, on souhaite nos plus sincères condoléances à toute la famille, amis et proches. Il y a aussi, juste avant, il y a l'ancien premier ministre, M. Brian Mulroney, qui est décédé. Tout à fait. Il y a eu aussi M. Dr. Mayou qu'on a parlé dans l'épisode au mois de février. Ça a brassé beaucoup, là. Il y a eu M. Paul Vachon aussi. Ah, ben oui, le frère de Mad Dog. Ben oui, il y en a eu beaucoup là, dans les dernières semaines. Là. Ça s'est passé vraiment très rapidement. Juste pour faire une rétrospective rapidement sur M. Paul Vachon, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer il y a quelques années avec mon père lors du lancement du film présenté dans les cinémas près de chez nous, Le Dernier Vilain. Paul Vachon, c'était le frère du défunt, la légende vivante québécoise Maurice Mad Dog Vachon et le père adoptif de Luna Vachon, qui ont fait la pluie et le beau temps là, Luna Vachon, à une certaine époque. Luna Vachon, il y a son Dark Side of the Ring saison 3. Là, c'est assez. Ouais, ouais, ça passe. On comprend pourquoi qu'elle est de même. Là, ouais, ouais. Ben moi, j'ai su récemment là, qu'elle avait été adoptée. Moi, je pensais que c'était la fille. La vraie fille dans... de sang à Paul. Ah non, c'est quoi son père? Il travaillait dans un hôtel puis s'est fait gonouille, c'est ça? Je le sais pas. Là, c'était une petite fille qui pleurait, puis là, lui était à l'hôtel, Paul, puis là, il l'a comme pris sur son aile, si on veut. Là. Ben, c'est ça ressemble à ça. Ben, quand je l'en écoute, mais ça ressemble à ça. Tu sais, chers auditeurs, imaginez-vous commencer votre vie comme ça. Oui, ça se peut que vous vous consommiez, là, tu sais. Ben, c'est sûr, ouais, elle a jamais caché, t'as bipolaire, la fille. Ouais. Elle l'a jamais caché, mais tu sais, avoir vécu ce qu'elle a vécu, j'aurais peut-être. Ah, c'est sûr. C'est certain. Ça donne qu'elle était crédible dans ses personnages. Puis, j'imagine. Elle donnait un bon show, Luna. Ouais, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'était une sorte de drogue aussi de pouvoir performer. C'est la plus grande des drogues, c'est l'adrénaline. Fait que c'est sûr que pour elle, se mettre dans la peau d'un personnage et puis d'aller devant l'écran, devant des milliers de téléspectateurs. Et de spectateurs présents dans les amphithéâtres, c'est sûr que pour elle, c'était un rush d'adrénaline. Ça lui faisait oublier tous ses problèmes et tous ses. Elle a eu quand même des personnes riches de cœur et généreuses de leur. Tu sais, de leur personne. Tu sais, je pense à Gangrel, je pense à. Bam Bam. Les endettés. Oui, c'est ça, tu sais, des gens qui se sont. Une des rares fois qu'elle était face, ça. Les ODTs, c'est une des rares fois qu'elle était face. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, les ODTs, on s'entend entre toi et moi, ils ont juste comme ramassé une. Du monde ne savait plus trop quoi faire avec. Quoi faire avec. On va faire un stable. Earthquake faisait Golga, Kurgan, puis Giant Silva. Oui, tout à fait. Puis RCP. Ouais, Giant Silva qui est au Japon, si je ne m'abuse. Ouais, ça, j'ai vu une vidéo dans récente. Dans des petits indies, là, mais tu sais, il fait pas du New Japan, puis des. Tu sais, il n'y a pas d'un gros. Ah, il est là parce que le show, c'est un Great Kali un t'sais, peu. Tu sais, au Japon, il y a genre au moins une trentaine, c'est pas une quarantaine de petites fédérations de lutte. Il n'y a pas fait Wrestling Kingdom, là. Non, ben non, Chris, non. Tu vois-tu Giant Silva contre Will Ospreay en finale Wrestle Kingdom? Non, pas vraiment. Non, c'est ça. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de détente avec nous. Vous écoutiez le Wrestle Rock Podcast saison 5. Mon nom est Johnny D. J'étais avec Benoît Laferrière. Nostradamus. Ne manquez pas partie 2 de cette émission qui va porter sur la AEW Sting, Hogan Sting Macho Man, on va dire. Exactement. L'action ne manquera pas. Au revoir.